Encore. Reprise de l'audience. La Chambre fait droit à la demande de la défense de Khieu Samphan. Le témoin 2 TCW 953. Est-ce qu'il y a un problème d'interprétation ? Demande le président. Huissier d'audience, veuillez régler le problème en question. Thank you, Mr. President. Another group of documents that were presented by the Khieu Samphan defense were some diplomatic cables, documents that originated from diplomats or foreign analysts from other countries. One of them is document E3-9723. This was a memorandum written by an official from the Australian embassy in August 1975. My general observation on these is that one needs to be careful with what one is reading here. In other instances, in these diplomatic documents, documents from other countries, sometimes there are factual reports of conversations that took place or letters that were received. But in other cases, and here is an example, we're really often reading rather speculative analysis from people who aren't too close to the factual situation that was not very well understood. And that's clear in E3-9723 on its face. If you look at the first page, paragraph 7, they're reporting on some comments received from various embassies. Paragraph 7, let me just read, starts by saying the Romanian Charte
as an alternative, purely conjectural theory to explain the islands incident. This is a document discussing the conflict in the islands. So this is an observation that one has to look and be careful where we're using documents that really are rather speculative, sometimes uninformed pieces of work. Slightly a different document, but it does have some of the same problem. E3882 that was presented by the Phnom Penh Fence. This is actually a telegram that comes from Democratic Kampuchea's ambassador to Vietnam. So he's obviously a person that does have firsthand information on the relations and communications between the two countries. But this document was presented by the defense to support the notion that the foreign community viewed the Vietnamese as deceptive. And when you look at this part of the telegram, you're either A, getting the opinion of this ambassador who's writing to his superiors back in Phnom Penh, or he's passing on in some cases, if you look towards the end, he actually titles it Foreign Opinions in Hanoi. This reads more like gossip amongst the diplomatic circuit in Hanoi from people who were not privy to the actual facts of what was going on between these two countries. So it is a word of caution about the probative value of some of the statements in these diplomatic documents. And I would also note, as was the case Khieu Samphan's counsel described this as a rather brilliant analysis by the DK ambassador to Vietnam. The CPK leaders at home did not seem to share or appreciate Chin's work and analysis as much as Khieu Samphan's counsel, because once again, when diplomatic relations ended and Chin was recalled to Cambodia, within a few months he was sent to S21. This is OCIJ number 12927. OCIJ S21 list number 12927, you'll find Sok King alias Chin, the DK ambassador to Hanoi. He was kept alive until the very end, and was still being interrogated by Thuy, who was interrogator used for the harshest interrogation as of December. 9 months after his arrival, we'll find that in E3-1651. So that is the fate of the author of this document. Last two documents I want to comment on, Your Honors, are a couple of documents, meeting minutes, that Khieu Samphan team presented to suggest there was a benign or peaceful intent of Democratic Kampuchea towards Vietnam. They cited the minutes of the Minister of Councils meeting, the second meeting of the Minister of Councils of Democratic Kampuchea on the 31st of May, 1976, document E3794, as evidencing a peaceful intent towards Vietnam. And I simply would draw your attention to the paragraph that follows. The first section of these minutes are about national defense matters, and immediately on the second page, immediately following a discussion of the eastern border, there's a paragraph in which Vietnam
is not referred to by its name, but no less than 11 times in this one paragraph. Every time Vietnam is mentioned, they are described as the contemptible. As your honors well know, you understand the meaning of this word. This is not a word you want to hear before you and it certainly does not suggest a peaceful view towards the Vietnamese. And the same is also true with the September 1976 minutes of the meeting between Son Sen and the division secretaries, or correct that. This was a meeting between Son Sen and the division 920. The leaders, document E3799, and again, it was presented to show that the Democratic Kampuchea had a peaceful view and did not want to engage in conflict. And I simply want to draw your attention to the fact that it's rather remarkable this was put forward for this reason, because as I mentioned in my presentation, this document contains a statement by Son Sen made to his division commanders of 920 about the Vietnamese. There's no way to sugarcoat this. This is a racist statement. And I'm referring here to the statement. It immediately precedes what the defense described as peaceful instructions to Vietnam, peaceful instructions to Division 920. And Son Sen says, the Vietnamese people have no work. Prostitutes abound. They have no money. They go around begging for money. They fight amongst themselves. End of quote. I don't need to use many analogies, but you can think of your own countries. If you said something about like this about an entire group of people, you would rightfully be labeled a bigot. So it's rather remarkable that this is put forward as a good document, helpful to the defense, when Son Sen is putting his on record here, showing what cannot be described in any other terms other than a racist view towards the Vietnamese people. I will end my presentation of responses here. Thank you for the time, Mr. President. បាទអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះអង្គផ្ដល់លិខិតជូនទៅសហវិវិការពីក្ដីគឺសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើមានឱកាសធ្វើការឆ្លើយតបឬក៏កត់សម្គាល់ទៅនឹងបណ្ដាឯកសារគន្លឹះដែលដាក់បង្ហាញដោយកាយឡ័យថាព្រះញ្ញានិងចម្លើយតបថាព្រះញ្ញាអំបញ្ញមិននេះសូមអញ្ជើញMerci, Monsieur le Président. L'essentiel de mes observations aujourd'hui seront un retour sur certains documents qui ont été utilisés par l'accusation dans le cadre de sa présentation des documents clés, avec bien entendu toujours, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'audience, des citations de passages qui me semblent intéressantes dans ces documents apportées à votre attention. Et du coup, ça me permet de rebondir sur les dernières remarques de M. le Co-procureur sur la question de lorsque on utilise des documents d'époque, que ce soit des documents diplomatiques, ou lorsqu'on utilise des passages d'ouvrages d'auteurs qui se sont entretenus avec
différents acteurs ou différents diplomates. C'est effectivement très important de faire attention et de savoir quelle est la source de l'information et sur quoi ils se fondent, ou sur quoi les interlocuteurs se fondent, ou encore quels sont leurs motifs. Donc lorsque l'on utilise des documents sur ce qui est dit dans la diplomatie, et je pense que je l'avais indiqué lorsque j'ai évoqué mes documents jeudi dernier, la question n'est pas simplement ce qui se passe sur le terrain, mais sur ce qui en est dit. Et on apprend aussi beaucoup de choses sur ce qui en est dit et sur quel est le langage de communication que les protagonistes utilisent à ce sujet. Et c'est important de mettre cela en perspective. C'est ma première observation par rapport aux documents qui ont été utilisés par l'accusation, notamment les ouvrages de Nayan Chanda, de Maurice, de Kiernan. Nous l'avons vu à l'audience, l'expert Maurice l'a dit, l'essentiel de ces sources sont des sources diplomatiques, des archives soviétiques, où les informations qui sont données sont des informations données par le Vietnam. Donc, c'est être un peu naïf et ne pas avoir conscience de ce que c'est la réelle politique pour imaginer que les diplomates ne donnent pas les informations qui les arrangent en fonction des objectifs qu'ils peuvent avoir. Donc, que ce soit bien clair, et je pense que ça avait été dit également jeudi dernier, lorsque l'on parle des positions des uns et des autres, c'est important de les avoir en confrontation. Maintenant, la vérité est certainement un peu au milieu. Nayan Chanda, beaucoup utilisé dans l'ouvrage E3/2376, je vais parvenir sur l'intégralité des passages qui ont été effectués par l'accusation, mais simplement, encore une fois, beaucoup et essentiellement des archives vietnamiennes, Maurice aussi, Kiernan aussi, quelques archives du Kampuchea démocratique, mais ce qui est intéressant, c'est que sur le travail du conflit armé, nous n'avons pas beaucoup d'ouvrages où il y a une utilisation importante des documents d'époque du Kampuchea démocratique, ne serait-ce que parce que le moment où ces ouvrages ont été écrits, l'ensemble de ces archives n'était pas à disposition. Mais aussi, et c'est peut-être aussi un des problèmes devant cette chambre, on n'a pas non plus un nombre incalculable d'archives autres que les sources diplomatiques vietnamiennes ou les déclarations officielles, mais tout ce qui serait les télégrammes ou les ordres qui ont été donnés au niveau militaire du côté du Vietnam, on n'en a pas tellement. Et ça, c'est quand même un vrai problème là, si l'on veut avoir une vision de ce qu'a pu être le conflit et des ordres qui ont pu être donnés. Une autre remarque générale, vous l'avez compris au sujet des dernières objections que nous avons faites ces derniers temps. Évidemment, nous rappelons que tout ce qui s'est passé sur le territoire vietnamien pendant le cadre du conflit armé n'est pas des faits. Je parle des faits précis où on nous dit à tel village il s'est passé ça et ça. Ça ne fait pas partie de l'ordonnance de clôture. Les accusés ne sont pas renvoyés sur ce point. Et la manière dont l'accusation se fonde lourdement sur des citations, encore une fois, de beaucoup d'ouvrages. Nayan Chanda, on nous parle de Ben Kiernan, etc. Là encore, l'essentiel de leurs sources, même sur ces événements dont, encore une fois, je souligne qu'ils ne font pas partie de l'objet de ce procès. Mais en tout état de cause, on a une source qui est essentiellement unique, à savoir le Vietnam. Et lorsque M. le procureur indique que c'est une source diplomatique qui nous dit que le Vietnam était parfois un peu roublard ou sournois dans les informations qu'il donnait et dans sa communication, ce n'est pas simplement de cette source-là que nous l'avons eue. Nous avons eu cette confirmation également de la part de l'expert Maurice à l'audience. Et je pense que de façon générale,
lorsqu'on a des relations internationales et notamment dans le cadre d'un conflit armé, encore une fois, la réelle politique fait que les gens communiquent en fonction de leurs intérêts. Ça me renvoie à un proverbe que j'aime particulièrement et qui dit que tant que les lions n'auront pas d'historien, les histoires de chasse seront toujours à la gloire des chasseurs. Eh bien, dans le cadre du conflit armé, des éléments que nous avons à notre disposition, à part certains télégrammes du Kampuchea démocratique sur lesquels je vais revenir, mais c'est vrai que nous n'avons essentiellement que la version des événements telle qu'elle a été distillée par le Vietnam, que ce soit aux auteurs ou que ce soit dans les documents qu'elle a bien voulu. Que le Vietnam pardon, a bien voulu communiquer, il n'y en a pas beaucoup. Autre point, c'est un document sur lequel l'accusation s'est attardée lors de la présentation de ces documents, les extraits des ouvrages, enfin de l'ouvrage de M. Khieu Samphan, 3/18, Histoire du Cambodge, Histoire récente du Cambodge. Là encore, je renvoie aux nombreuses observations en ce sens que j'ai déjà faites sur le sujet, à savoir que c'est toujours très compliqué de venir expliquer que c'est la position de Khieu Samphan, alors qu'il ne fait souvent que citer des références dans des ouvrages d'auteur, avec parfois pas forcément une vision critique. Mais c'est intéressant de noter que lorsqu'on a parlé, lorsque dans cet ouvrage figure les mentions de ce qui s'est passé, des preuves irréfutables qu'il invoque de ce qui s'est passé sur le Vietnam, sa source, c'est Nayan Chanda, que l'on retrouve également comme source chez de nombreux autres auteurs. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si la preuve, c'est parce qu'on cite en source un document qui lui-même cite des sources vietnamiennes, c'est toujours compliqué de penser que nous avons une vision objective des événements. Mais puisque on a cité un passage de l'ouvrage de M. Khieu Samphan, je voudrais revenir sur ce qui suit l'extrait qui a été utilisé par l'accusation, donc document E3. E3/18, on m'indique que le proverbe que j'ai cité n'a pas été traduit en khmer, donc je vais le répéter. Tant que les lions n'auront pas d'historien, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. La sagesse populaire est toujours intéressante. Donc le document, le passage que je voudrais citer à la suite de la partie citée par l'accusation dans le document E3/18, se trouve à l'ERN en français 00595447, ERN en anglais 00103760, et ERN en Khmer 00103849, et ça se poursuit sur la page suivante. Donc le dernier paragraphe cité par l'accusation était une interrogation de M. Khieu Samphan dans les années 90. Contrairement à ma perception intérieure, est-ce plutôt les Khmer Rouges qui, sans évaluer leurs propres capacités, se sont lancés dans une politique d'hostilité militaire contre le Vietnam bien plus puissant? Et il poursuit. Évidemment, je ne pouvais à l'époque des faits suivre l'évolution des conflits sur le plan militaire qu'à travers des rapports des cadres responsables de l'armée et des principales zones frontalières, à des réunions élargies du bureau permanent du PCK et à travers mes conversations avec eux. Mais la conviction que j'avais pu me former à ce moment-là est que les incursions dont il était question étaient des réponses à celles des Vietnamiens. À ma connaissance, si les dirigeants du PCK étaient bien déterminés à affirmer leurs droits souverains
sur l'ensemble du territoire national. Ils étaient trop conscients de leurs faiblesses matérielles pour s'engager d'emblée dans une politique d'hostilité à l'égard du Vietnam plus puissant. Fin de citation. Donc la question n'est pas de savoir si nous avons un Kampuchea démocratique angélique ou un Vietnam angélique. La question est de savoir les actes que l'on pose à un moment correspondent à une situation géopolitique, à une situation politique intérieure et à un rapport de force qui fait que les gens prennent telle ou telle décision. Et encore une fois, pas d'angélisme. La réelle politique, et ça je pense que si on étudie l'histoire de l'ensemble des conflits armés de ce monde, on trouvera ces moments-là. Pourquoi est-ce qu'on fait des pactes à un moment? Pourquoi est-ce que on fait une rupture de pacte à un moment, c'est aussi en fonction de ses intérêts nationaux. Je voudrais maintenant passer à un certain nombre de télégrammes qui ont été cités par l'accusation et revenir sur des points qui n'auraient pas été mentionnés. Et je pense notamment à un premier télégramme, E3-1150, en date du 11 novembre 1975, un télégramme adressé à Ya, et les parties qui ont été citées par l'accusation ne comportent pas les paragraphes 5 et 6 de ce document, le RN en français 00532-738, en Khmer 00021-445 et en anglais 00539054. Et c'est important de voir ce qui est dit sur le plan politique, donc au point 5. Sur le plan politique, nous nous permettons de vous demander où se trouvent leurs dirigeants. Et là, entre parenthèses, on parle des forces armées avec lesquelles il y avait eu des difficultés, des forces armées vietnamiennes. Donc, où se trouvent leurs dirigeants? De quelle façon pourrait-on les rencontrer? Auparavant, avait-on une filière pour être en relation avec eux? S'il était possible de les contacter rapidement, veuillez les contacter, camarades. Mais selon notre estimation, ils doivent être loin, au bord de la mer, peut-être même. Ils en ont parlé juste pour prolonger le temps à faire le rapport. Paragraphe 6. En résumé, nos visions sont à préparer les forces militaires en prenant les forces militaires les plus importantes qui se trouvent dans la base, à savoir les forces de zone, de région, des districts. Quant aux forces en amont, il faudrait plus de temps. B. Avoir en main plus précisément encore la situation des ennemis. C. Examiner la possibilité de prendre contact avec les dirigeants des ennemis en vue d'une négociation politique. Autre document, télégramme E3-893, ERN en français 00386272, en Khmer 5x0708, en anglais 00182620. L'accusation a cité le point 3 de ce télégramme et je voudrais revenir sur le paragraphe 2, point 2, qui évoque le fait qu'il y a une rencontre avec les Vietnamiens du 24-1. Ça, c'était mentionné au paragraphe 1. Et au paragraphe 2, c'est intéressant de noter que on parle de ce qui a été dit par la partie du Kampuchea démocratique. Il dit ceci. Au cours de la rencontre, il nous a proposé de parler en premier. Je m'exprime selon la politique de l'Ankar en insistant sur la situation au 010B. Après mon exposé, ils nous accusaient de façon véhémente d'avoir violé leur intégrité territoriale de plusieurs kilomètres au 10A, 10B et 10C.
Viennent ensuite des explications complémentaires et le passage qui m'intéresse particulièrement. Donc il parle des accusations de violation du territoire par le Kampuchea démocratique. Et leurs soldats ne supportaient plus cela. Nous avons soulevé le problème en nous basant sur la carte. Il a dit que cette carte avait été faite par des impérialistes qu'il avait dessinée pour créer des conflits entre nous. Et nous a demandé de quitter rapidement 010B. Après de longues tergiversations, il a accepté de regarder la carte. Nous avons alors indiqué les limites de notre territoire et du leur à 010B. Quand il a vu ça, il s'est calmé. Il y avait certainement des erreurs dans la détermination des limites. Il a proposé qu'on examine nos limites. Les probabilités d'erreurs sont infimes parce que leur artillerie est très précise. Nous avons répliqué que nous ne nous étions pas trompés et parce qu'ici, que c'était toujours trouvé notre base depuis le temps de notre résistance politique. Et vient ensuite la discussion sur l'organisation d'une rencontre. Un autre point intéressant qui se retrouve toujours au document E3 893, c'est le point numéro 6, le 5 et 6, pardon. On continue toujours les discussions autour des cartes et des limites qui existaient à l'époque. Point 5, il a refusé d'examiner les bornes frontalières. Mais on s'est entendu pour qu'il y ait un no man's land le long de la frontière qui ne peut être violé. En même temps, on a décidé de déterminer les lignes frontalières de façon provisoire selon les postes de guet frontaliers, attendre la décision du comité central afin d'éviter les conflits. Point 6. Dans la discussion, il était agressif, mais nous avons pu garder notre calme. Puis on a répliqué et pris le dessus grâce à l'évidence de la carte. On a réussi à préserver l'esprit de solidarité. On a estimé qu'on a remporté la première bataille de façon honorable. Et c'est un télégramme signé de but. Donc c'est intéressant de noter que il y avait des tensions peut-être de part et d'autre, mais que en tout cas cette date est bien claire que c'est la question de la négociation sur la base des cartes existantes. Un autre document qui a été utilisé, le document E3-218, qui est donc le procès-verbal du comité permanent du 26 mars 1976, et un certain nombre de passages ont été utilisés et mentionnés par l'accusation en omettant, puisque c'est un procès-verbal qui évoque le résultat des négociations. Et dans la présentation de l'accusation, on a essentiellement mis l'accent sur quelle était la position des Vietnamiens telle que rapportée par la personne qui faisait le rapport. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi dans ce même document les éléments et les plaintes du Kampuchea démocratique qui font suite ou qui précèdent même parfois les plaintes du Vietnam. Et je renvoie précisément au document E3-218 à l'URN en français 00334969. L'URN en anglais 00182653 et en Khmer 5x0753 et ça se poursuit sur la page suivante. Et voilà ce que Ya a dit aux Vietnamiens dans son rapport et qui évoque les problèmes qui se posaient du côté du Kampuchea démocratique. Le super Kamaradia a soulevé les événements depuis la libération, notamment les activités d'invasion concrètes dans chaque endroit avec les dates et les preuves.
Le super camarade Diar a précisé que les super camarades vietnamiens, vous ne cessez pas de parler de solidarité, mais vous menacez le Cambodge. Concrètement, en ordonnant aux avions de tirer dans le tas, le long de la frontière de Mondulkiri, au niveau de Odak Dang, de Dak Uch, et aux artilleries de tirer sans arrêt. Donc, que veut dire la solidarité? En réponse, du côté vietnamien, Thikam a reproché à ses acolytes d'avoir fait ainsi des bêtises de cette manière. Li Viang a dit que les avions appartiennent aux forces de la région qui sont destinées à mener des opérations contre le fleuron. Fin de cette première citation. Donc là, intéressant, c'est qu'on comprend que dans les reproches à cette date, donc de mars 1976, il y a des tirs par des avions le long de la frontière du Mondulkiri et des tirs d'artillerie qui viennent du côté du Vietnam. Et que apparemment du côté vietnamien, on reconnaît qu'il y a des bêtises qui ont été faites. Sur la même page, au petit C, les propositions qui résultent de cette discussion lors de cette réunion, nous leur avons proposé, alors, la traduction française est très mauvaise, de nous retirer du village de Mui, de Ovai et de la montagne de Tran Gol. Nous avons précisé que cela est notre souhait primordial. Nous avions très envie de la solidarité, et pour avoir de la solidarité, il fallait que les super camarades vietnamiens respectent la souveraineté du Cambodge. Jusqu'ici, nous avons fait beaucoup de concessions. Si les super camarades continuent à violer le territoire du Cambodge, la solidarité ne pourrait pas fonctionner. Autre passage intéressant par rapport aux activités vietnamiennes à cette époque-là, donc en mars 1976, ERN en français 00334971, ERN en anglais 00182657, ERN en khmer 0005x0757. L'accusation a cité partiellement le petit 3 qui apparaît à cette page, à savoir les activités des Vietnamiens dans d'autres endroits. Mais voilà ce qui apparaît avant que le parti dise on recommande l'utilisation des mines. Voilà ce qui est dit auparavant, avant le passage par l'accusation. Je cite. Au moment où nous négocions au nord-est, dans d'autres endroits, les Vietnamiens ont mené des opérations sans arrêt, comme si après. À l'est, aux environs de Chubok, du district de Snuol, ils ont construit des routes en passant sur notre territoire par la route de Barang Chas. Et ils sont entrés à 5 km à l'intérieur de notre territoire. Vient ensuite le passage cité par l'accusation. Le parti a recommandé d'utiliser des mines, etc. Et un autre passage l'ont cité. Dans un autre endroit, au niveau de la frontière de Phay Rieng, ils sont venus implanter plus de 200 piquets en bambou à plus d'un kilomètre dans notre territoire. Donc là encore, il est intéressant de noter que lorsque l'on parle d'un incident, il y a évidemment les prémices de cet incident. Un autre télégramme que je voulais utilisé, qui a été cité par l'accusation, le 3/1020, ERN en français 00711511, en khmer 3x0214462, en anglais 00305246. Dans ce télégramme, l'accusation a cité
le point 3 du télégramme relatif à des demandes de munitions, mais il n'a pas cité le premier paragraphe que je vais vous lire maintenant. Donc, télégramme envoyé au frère 89 par Chin. Je voudrais vous rendre compte de la situation comme suit. Le 16 février 1976, à 10h30 du matin, le groupe 7 a installé environ 55 soldats armés jusqu'aux dents, comme nous, avec des matériels comme des nattes, des oreillers à Oudambay et un autre endroit illisible. Et dans la portion allant de Dom Thnal à Pumu, ils étaient dirigés par 6 commandants, à savoir Aung, Atung et les autres qui nous sont inconnus. Du 15 au 21 février, nous avons vainement mené sans cesse la lutte politique. Et donc maintenant, nous avons organisé un plan pour les attaquer directement. Fin de citation. Donc là, intéressant que avant, de noter qu'avant le recours à la force, une lutte politique, comme ils appellent les négociations, a été engagée du 15 au 21 février. Autre document, télégramme du 29 février 1976, E3-8373. C'est le point 1 dans toutes les langues. La première partie a été citée par l'accusation. Et là encore, on évoque l'armement de l'autre partie et du fait que le groupe ennemi a été écrasé grâce aux grenades à la main. Mais voilà ce qu'il dit ensuite. Jusqu'ici, nous avons mené une lutte politique, mais ils n'ont pas accepté de se replier. Le 25 février, nous avons organisé nos forces et mené une attaque pendant une nuit et un jour. Malgré tout, ils ne se sont pas encore retirés. Paragraphe 2. Le 20 février 1976, nous avons effectué un travail le long de notre frontière au nord de O, à partir de Konrok à Pourak, l'équipe 7 nous a encerclés. Et nous avons réussi à nous échapper et à 11h30, nous avons ouvert le feu. L'équipe 7 est rentrée dans son territoire. Fin de citation. Donc là encore, on a des éléments qui démontrent que il y a des échafourés des combats à la suite de l'entrée des Vietnamiens sur le territoire et malgré les tentatives de négociation. Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30. Est-ce que vous voulez que je m'arrête maintenant? Oui, je pensais aller plus vite, mais comme je n'ai commencé qu'à 11h, j'aurais, je pense, besoin de la session qui était prévue au départ. Donc, j'aurais besoin encore de 30 minutes, je pense. Il me semble qu'on avait une session. សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសន្មការសន្មការមុនរដ្ឋរដ្ឋបកបអោយអនុរិយអំទីកំភាំងនាំខ្លួនលោកខឿនសុផុនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាសន្មការនេះវិញហើយនឹងឲ្យបកបអោយនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសន្មការនៅក្នុងបន្ទប់សន្មការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោងមួយកន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ